Le rituel est le même chaque mois au palais. Le roi des Peuls est coiffé d'un turban par son assistant et après un bref entretien avec ses émissaires, le conseil des chefs traditionnels peut commencer. Assis sur son trône, Mohamed Bambado écoute et règle les problèmes de ses 5 millions de sujets dispersés dans Lagos, la plus grande ville d'Afrique avec 20 millions d'habitants. La plupart du temps, les gens viennent me parler de leurs problèmes et nous faisons de notre mieux pour voir comment nous allons les résoudre. Si c'est quelque chose que nous pouvons résoudre, nous le faisons immédiatement. Sinon, nous leur disons de revenir. Si c'est quelque chose qui concerne l'application de la loi, nous parlons aux autorités. À l'ordre du jour, litiges fonciers, querelles de famille, attaques et vols à main armée. Le roi des Peuls est sollicité pour tous les problèmes de sa communauté. Une communauté qui souffre aussi de discrimination. Les Peuls sont régulièrement accusés d'être à l'origine des violences meurtrières entre agriculteurs et éleveurs dans le centre du Nigeria. Partout où il y a des Peuls, les gens les voient comme des tueurs. Mais ce n'est pas vrai. Le Peul est un homme merveilleux. Il est arrangeant, il aime ses proches, ses voisins, et il est prêt à dialoguer. Mais vous savez quoi? Toute société a ses brebis galeuses. Mohamed Bambado est aussi un homme d'affaires influent. Depuis 3 générations, sa famille a développé une importante société de docker au port de Lagos. Comme son titre royal, il a hérité de l'affaire familiale qu'il continue de faire prospérer. Un succès reconnu par tous, même par les Yorubas, l'ethnie majoritaire à Lagos. Nous travaillons très bien ensemble. S'il y a des problèmes, ils ne seront pas résolus en fonction d'où l'on vient. Ce sera sur la base objective du problème. Il n'est pas question de couleur ou bien « moi je suis du sud et lui du nord ». Le problème ne doit pas venir de là. Souvent en déplacement à l'étranger, Mohamed Bambado reste à sa façon un peu nomade, comme l'étaient ses ancêtres, commerçants et éleveurs à travers l'Afrique de l'Ouest. À la fin de la journée, le chef traditionnel et homme d'affaires sait s'arrêter pour profiter de sa famille. Avec 3 garçons et 1 fille, la dynastie Bambado a de beaux jours devant elle à Lagos.